Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrux et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo information sur Dragon Ball Super. Toutes ces informations, je vous le rappelle, je les recueille sur db-z.com, un site recueillant un petit peu toutes les informations concernant Dragon Ball, que ce soit les jeux vidéo ou aussi Dragon Ball Super. Donc c'est vraiment cool et du coup c'est là que je peux voir tout ce qui se passe, et du coup c'est pour ça que je vous fais part des informations du moment qu'ils les mettent. Voilà, tout simplement, c'est pour ça que je me permets de faire des vidéos des fois, histoire de vous faire un petit topo. Aujourd'hui donc, déjà, j'aimerais vous confirmer que le 5 juillet, il y aura le premier épisode de Dragon Ball Super, c'est fait, c'est confirmé. Ça a été dit il y a 3-4 jours déjà, mais bon, je vous le redis pour ceux qui ne savaient pas. Donc le 5 juillet, c'est sûr, 2015, vous aurez le premier épisode de Dragon Ball Super qui passera au Japon, et du coup, on pourra l'avoir dès le 6 juillet, je pense, déjà, ou 5 juillet au soir. Chez nous quoi, on verra où c'était faire, ou je sais pas, on verra bien, je pense qu'il y a plein d'équipes qui sont là pour la trad. Bref, ça c'est un détail, et on a aussi reçu un petit tweet sympa donc aujourd'hui, hein, le 7 juin, disant que, en gros, c'est pas un tweet hyper intéressant dans le sens qui nous disait des informations de fou, mais il nous disait en gros, soyez prêts, Dragon Ball Super commence bientôt, regardez la fin de Boo, etc, enfin bref, vous voyez le truc. Le petit tweet sympa, histoire de nous mettre, de nous chauffer bien avant le Dragon Ball Super. Et aussi, il y a deux jours, je crois, on a eu une image intéressante sur l'élaboration du storyboard pour l'ending, tout simplement. Le storyboard, c'est ce qui permet en fait de savoir comment les scènes seront animées ensuite. Du coup, ils sont là pour dessiner les différents personnages qu'on pourra voir dans l'ending. Et là, on a une page en fait du storyboard en montrant en fait un Goku qui est dessiné. De manière assez simple, hein, qui a été calqué en fait sur un ancien Goku des séries officielles. Donc c'est vraiment hyper cool, t'es là, tu te dis, oh putain, le Goku de base, le petit Goku qui se fait calquer sur l'ending, c'est vraiment cool. Et on a aussi l'image d'un Gohan Studio, mais bon, ça c'est moins excitant, hein, je pense que vous serez d'accord avec moi. Et finalement, je vous garde le meilleur pour la fin. Pendant l'épisode 156 de Dragon Ball Kai, on a eu donc la révélation officielle du prochain logo de Dragon Ball Super. Donc voilà, je vous le mets en bien grand, faites-vous plaisir et dites-moi ce que vous en pensez. Moi je le trouve vraiment bien, ça colle bien à l'univers, ça garde bien ce qu'on connaît. Et ça change aussi, ça change de ce qu'on connaissait avant. Donc ça fait un mélange vraiment cool, dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, j'ai terminé là-dessus. Donc voilà, donc pour l'instant rien de folichon, mais je voulais vraiment faire cette vidéo information pour vous dire voilà ce qui se passe, et que voilà, il y a des confirmations et tout ça, ça avance, et on est sur le point de voir la série commencer. Et puis bon, moi j'ai hâte, et j'espère que vous toujours vous avez aussi hâte que ça commence. Donc voilà, c'était la petite vidéo information de la journée, et je vous donne rendez-vous donc pour d'autres vidéos. Allez, ciao à tous, c'était Pyrux, mangez des pizzas, ciao, bye bye.